personne n'imagine que la vie actuelle puisse se passer sans avoir d'une façon ou d'une autre du numérique à proximité. La fibre optique, c'est la révolution du 21e siècle. On a connu la révolution qui nous a amené à mettre en place le rail, c'est la machine à vapeur, les locomotives, il a fallu construire le réseau ferré. Deuxième révolution, ça a été le moteur à explosion, on a fait les autoroutes. Là, nous sommes sur le numérique, il faut le réseau qui permet d'organiser. Si vous n'êtes pas sur le réseau, c'est que tout simplement vous êtes en rupture au niveau du territoire. Le projet de la région, avec les deux conseils départementaux en Alsace, c'est d'avoir un projet qui réponde à ce besoin pour éviter la fracture numérique et que pour permettre au niveau des territoires moins urbanisés d'avoir les mêmes opportunités que dans le territoire urbain. C'est la raison pour laquelle, financièrement, mais aussi politiquement, la région s'est autant engagée. Nous sommes partis dans l'idée qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à attendre. Il faut apporter des réponses concrètes et rapides. Quand vous avez des entreprises qui sont sur le territoire, aujourd'hui, de ne pas être dans le très haut débit est un handicap. Et ces entreprises subissent au quotidien une concurrence qui est une concurrence loyale, mais une concurrence qui leur est préjudiciable. Et ces mêmes attentes, vous les avez chez les concitoyens, en particulier les jeunes. C'est comme ça que nous avons lancé cet appel d'offres, que Rosas a été retenu. Nous n'avons pas écarté les autres par volonté d'écarter les grands opérateurs, nous les avons écartés parce que tout simplement nous avons choisi Rosas parce que c'est un projet qui correspondait à nos besoins. Et c'est vrai que l'une des exigences, c'est d'aller vite, de tenir compte de nos priorités dans l'organisation territoriale et dans la desserte, et de faire en sorte que nous puissions répondre en 6 ans à 400 000 prises en Alsace. C'est un vrai défi et j'attends beaucoup évidemment de Rosas pour permettre de répondre à ces attentes qui s'expriment tous les jours.